t'explique que lundi, j'ai envie de rester à la maison, tranquille, avec ma femme. Dès le mercredi, j'ai envie de niquer l'Île-de-France. J'étais avec toi hier. Ok. Mmh. Wesh, mec. Jusqu'à 5h. Il était où cette nuit? Wesh, mec. Jusqu'à quelle heure? 5h. Oh putain, les enculés, ils ont tout préparé. Tu bosses là, je t'entends taper. Ben, je fais mon petit compte rendu de séminaire. Comme d'hab. Ne te fie pas aux apparences. Je te jure, j'ai rien fait, je ne connais pas cette personne. Je sais pas c'est qui. On leur dit qu'on est mariés, on leur montre des photos de nos gamins. Tu crois que c'est les gendarmes? Ah, on vit une époque pourrie. Oh là, elle est très très amoureuse de la petite là. Je t'ai jamais posé la question. Ça se trouve, si tu sors comme ça tous les soirs, c'est peut-être un truc super romantique en fait. Parce que peut-être que tu cherches l'autre femme de ta vie. Ah oui, comme dans un monde parallèle. Non. Si tu t'es jamais dit, tiens, ça se trouve, il y en a une autre qui existe, à deux rues, deux quartiers, une autre ville. Ah oui, comme si t'avais une espèce de double identité. Non, mais pourquoi? Juste, imaginez, à 2 heures près, t'aurais pu être avec elle, t'aurais pu là, tu vois? Bien sûr. Comme si tu revenais du futur et tu savais non, pas... Non, pas du tout. Bon, laisse tomber. Je vois pas. Ben, je vois bien que tu vois pas. Vas-y, bois. Ah oui, bon, d'accord. Hey. Oui. Bah t'en penses quoi, ça? Bah t'as pas compris. Si. Non. Parce qu'en fait, tu dis que quand la femme... Il y a une femme ouais, qui... Viens, on va danser. Oui, voilà. Ouais.